tous les amateurs de cocktails car une nouvelle adresse vient d'ouvrir à Montréal et c'est le pub Saint-Mouze sur Saint-Denis. Et ce soir, Montréal TV vous le fait découvrir. Karim, c'est l'ouverture ce soir. Qu'est-ce qui se passe de spécial? Écoute, on essaie de casser l'hiver en deux. On est ouvert depuis quelques semaines, on s'est rodé. Là, on était prêt, on voulait accueillir tout le monde, pour être sûr que tout le monde sache qu'on va être ouvert pour les terrasses. Puis dès que le soleil arrive, on a de la place en masse pour servir la bière à tout le monde. Karim, explique-moi un petit peu le concept du décor. Ben, ici, on a décidé de faire le concept du chalet canadien typique. Donc, on a rappelé la verdure, les grands espaces, puis les animaux comme l'orignal. On a une tête d'orignal grandeur nature à l'arrière. Oui, les cocktails, ça ressemble à quoi? Même chose, on a essayé de garder l'esprit, donc on a pris tous les alcools qui sont faits au Canada, autant que gin, vodka, que whisky, ben, tous nos alcools sont basés là-dessus. On est même rendu en cuisine parce que le chef Nicolas ne peut pas arrêter, la demande est trop forte aujourd'hui. Nicolas, comment ça se passe? Ben, en roulant une pâte à pain vapeur, je te dirais que ça se passe très bien. Pour de vrai, aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. On a du fun, on a sorti des beaux canapés tantôt, on a eu des blogueurs, etc. dans les dernières semaines. Et on a eu des bons feedbacks. Fait que je te dirais pas mal satisfait du déroulement jusqu'à présent. Il y a quoi on peut s'attendre là, du menu? Ben, le menu du Saint-Mouze va consister un menu urbain en consistant de trucs un peu trendy et saisonnier. Alors, le Saint-Mouze, d'où vous est venue cette idée-là? J'avais le commerce avant, le Loup-Garou. Là, m'associer avec un groupe qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine à côté restauration, pour dire qu'on touche un peu à tout. Fait que j'ai approché les gens du Jack Saloon. Fait qu'on a commencé avec un nouveau design, un nouveau concept pour la rue Saint-Denis pour combler le besoin qui manquait. Rentrer le côté nourriture avec un chef Nicolas Salinas. À quoi on peut s'attendre comme soirée? Est-ce qu'on vient souper? Est-ce qu'on vient fêter? Comme je te dis, c'est un peu le côté des deux. Fait que les côtés 5 à 7, on peut venir prendre un petit cocktail, plus relax, grignoter. Il y a des menus de dégustation pour deux, pour trois. Aussi, on a les côtés terrasse. On a un côté cachet en arrière sur la terrasse privée. Tu rentres un peu dans le côté chalet, beaucoup de verdure. Tu vas avoir l'impression de rentrer dans une petite forêt. Le printemps s'en vient, fait que ça va découvrir nos trois belles terrasses. Le type de clientèle ici, à quoi ça ressemble? Ici, le quartier latin, c'est très étudiant. Sauf que le tourisme à Montréal est excellent pour la rue Saint-Denis. Ils cherchent un peu de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on remplit le besoin de la rue Saint-Denis. C'est un client sur deux me demandait dans le passé si on avait de la nourriture. Fait que là, c'est plus que ça. Ça devient que tu sens comme une famille quand tu rentres. L'accueil est chaleureux. C'est du comfort food. Le côté festif se passe après. Fait que tu peux venir manger, tu peux venir t'installer sur les terrasses. Pour les familles aussi, jusqu'à 8 heures, on a le droit d'avoir des enfants. Puis après ça, le party pogne.